Hey, bienvenue sur cette vidéo World of Warcraft, dans laquelle on va s'attaquer au PVP. Yes! Le PVP en arène, en champ de bataille, tout ça, bon, principalement en arène, donc il y a des astuces qui ne serviront pas trop en BG, mais bon, en même temps, c'est là où c'est le plus compliqué. Dans cette vidéo, on va aller s'attaquer aux basiques, à savoir les trucs vraiment importants pour réussir à bien se débrouiller en arène. Si vous avez ces basiques-là, vous pourrez aller au moins à dueliste. Hein. Clairement, on part sur des basiques assez larges, mais vraiment importants. Commençons par le début, connaître sa classe. Bon, c'est assez basique, mais il faut connaître sa classe. Son cycle DPS, ses contrôles, etc. Il faut être super à l'aise avec son personnage avant de rentrer en arène. C'est un mode de jeu qui est quand même souvent bien plus compliqué que le PvE. Les joueurs en face, bah, ils vous cut, ils vous attaquent, il faut savoir utiliser ses CD défensifs, etc. C'est imprévisible, enfin, il y a beaucoup de downs qui font que le PvP, c'est quand même assez kiffant. Donc il faut bien connaître ses cooldowns offensifs, savoir un petit peu ce qui se passe en face, mais ça on va vite y revenir après. Donc là par exemple je sais que j'ai claqué mon infernal, que je commence à avoir des stacks sur mon grimoire de sacrifice, et je sais que je vais pouvoir mettre une grosse patate. Donc je passe en mode non interruption et je vous laisse regarder les dégâts que va se prendre le paladin maintenant que je sais que je peux lui mettre un petit burst. Là il a claqué sa bulle, donc directement on met la même patate à son copain. Son copain se barre, regardez les dégâts qu'il va se prendre, boum boum boum. Et je sais que j'ai toujours mes stacks sur grimoire de sacrifice et je peux continuer à lui mettre des grosses patates. Donc là je mets bien mon anti-stun à ce moment-là, et là j'enchaîne avec tout ce que j'ai, toute la puissance du démo pour qu'il tombe. Donc une fois que vous avez maîtrisé bien votre cycle DPS, ce qui est très important, encore plus que le cycle DPS en arène, c'est de bien connaître les contrôles de sa classe et savoir gérer les DR. Par exemple, dans ce cas-là, on a calé un petit fear sur le druide que vous pouvez le voir ici à droite avec Gladius, on peut voir combien de temps il est fear et surtout dans combien de temps on pourra le fear de nouveau. Donc là par exemple, je sais qu'il faut que j'attende 15 secondes avant de remettre un fear sur le druide si je veux que mon fear soit complet, qu'il soit sur la durée maximale du fear. En gros, vous n'avez pas envie de mettre des demi-contrôles, donc il faut bien faire attention à cette histoire de diminishing return qui empêche de pouvoir mettre plusieurs mêmes types de contrôles sur la cible avant une durée donnée. Il faut attendre que ça reset pour pouvoir remettre des stuns complets, des saps complets et des fears complets. Pour cela, vous avez un paquet d'addons. Vous avez par exemple Diminishing Return que je vous mets en description de la vidéo, mais également Gladius, l'addon PVP de base, comme vous pouvez le voir, le fait également. Et on attaque maintenant la prochaine partie qui est évidemment une des plus importantes et également les plus intéressantes en PVP, connaître la classe en face. Alors il s'agit de connaître dans la globalité, vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur la classe en face pour faire du 2k1 par exemple, mais connaître comment elle se joue, quels sont les gros cooldowns et offensifs comme défensifs, c'est super important. Surtout, je trouve, respecter les cooldowns offensifs de vos adversaires. Par exemple ici, là on peut voir que le mage il a claqué la veine glaciale, vous voyez la petite icône bleue là-bas. Ça veut dire qu'il a claqué un CD de 3 minutes offensif qui lui permet d'augmenter sa hâte de 30% et du coup de faire nettement plus mal. Alors c'est pas aussi puissant que la combustion sur un mage feu, mais c'est clairement un cooldown qui se respecte, donc on n'hésite pas à aller temporiser l'adversaire et lui mettre un max de contrôle. Là également, autre information, le rogue a claqué la cape d'ombre, et quand vous êtes caster, clairement c'est un CD que vous voulez traquer, et c'est un cooldown sur lequel vous voulez vraiment tourner autour. Donc là on sait que pendant 2 minutes, il aura pu sa cape d'ombre, et donc à chaque fois il sera obligé de se prendre mes sorts. Par exemple ici, on peut voir que sur le mage, il a claqué pas mal de cooldowns. Il a claqué son trinket qui reviendra que dans 2 minutes, sa Nova qui reviendra dans 20 secondes. Il a claqué également ses veines glaciales comme on a vu tout à l'heure qui reviennent que dans 3 minutes. Donc on en sait à quel point il va récupérer ou pas ses cooldowns et où il en est. Donc on sait également s'il a besoin de le respecter ou pas. Par exemple un mage feu, une fois qu'il appuie sa combustion, on sait qu'il va pas faire si mal que ça. Il peut faire mal avec des casts d'explosion pyrotechnique supérieure, mais on sait que globalement ça va aller. Il nous mettra pas une pression instantanée de malade. Et on arrive du coup à la troisième partie qui est souvent la plus compliquée, j'ai l'impression, pour les joueurs, c'est de bien faire gaffe à son poteau, à son allié. Par exemple ici on peut voir que là il s'est pris de sap et qu'il se fait engager avec un stun 6 rogue sous smoke et que c'est la misère. Donc on fonce dans la smoke, on met directement un voile mortel sur le rogue et là on va essayer de mettre un maximum de contrôle pour bien protéger notre pote. Là c'est le cécité, on sait qu'on doit le respecter celui-là, qu'il faut à tout prix qu'on assiste un maximum notre allié. Donc là on spam le fear, on spam le fear, on spam le fear et on met un maximum de dégâts sur le rogue, on se dit que s'il bouge pas, il va se prendre un tarif et on va le forcer à retirer sa ligne de vision. On lui a mis plein de contrôle. On sait que cela, on peut plus lui remettre le fear. Mais on a sauvé notre copain. Il s'était pris un stun 6 et là il est quasiment revenu full vie. Là le rock du coup nous réengage, il met un double silence à tout le monde. Je sais que je peux pas recaler tout de suite un fear, donc j'en profite pour mettre un stun. Là désormais je vais pouvoir remettre du fear. Mon but encore une fois c'est de bien traquer les cooldowns des adversaires, savoir lesquels il faut que je contrôle en priorité, et également les diminishing returns que j'ai dessus, donc lesquels je peux recontrôle ou pas. Là comme vous pouvez le voir à droite, je peux recontrôle full les deux personnages ennemis. Donc j'hésite pas, dès que le rock pop, je balance un fear. Là il joue bien, hein, donc il fait un switch et un switch kick sur moi. Donc je sais que je suis kick en nombre, donc du coup je peux me permettre de balancer des chaos bolts.
C'est le problème, hein, c'est qu'évidemment, s'il m'empêche de fear, il m'empêche pas de pouvoir balancer des Chaos Bolt. Donc ça, c'est également connaître les écoles de magie. Hein. C'est important de savoir que, en démoniste, si vous avez, faites kicker sur le Chaos, vous ne pouvez rien faire. Si vous faites kicker sur l'ombre, vous pouvez toujours faire du feu et du Chaos. Et là, bon, après, on le respam de contrôle, et il joue plus. Et ça passe, alors que pourtant, c'était des très bons joueurs en face. Ce qui nous amène à une partie qui est un peu moins connue, j'ai l'impression, des joueurs qui sont peut-être plus casus du PVP, c'est le fait qu'on peut directement définir, cibler avec des sorts les joueurs en face. Je m'explique rapidement. En gros, les joueurs en face, le premier en face qui sera nommé Arena 1, le deuxième Arena 2, le troisième Arena 3, etc. Ça vous permet en fait de cibler automatiquement, surtout en 3v3. Comme ça, vous pouvez voir que par exemple, si le prêtre en face est en position 3, vous avez juste à appuyer sur votre touche Fear Arena 3 pour que ça balance le Fear sur lui. 1, ça donne pas l'information de votre cible de savoir qui sera Fear ou pas en face. Donc, déjà, ils peuvent pas savoir. Et 2, c'est un gain de temps de ouf, de malade. Normalement, on est vraiment censé jouer sans focus en arène. On est censé uniquement utiliser Arena 1, Arena 2, Arena 3 et avoir la plupart de nos sorts, si ce n'est tous nos sorts, qui sont ciblable sur ces personnes-là. C'est vraiment un truc que je vous conseille fortement, fortement, fortement de faire. Ça va vous faire gagner énormément d'expérience de jeu, de fluidité, de... Enfin, c'est juste foufou. C'est absolument foufou, c'est trop bien. On peut viser les joueurs en face sans même cliquer dessus, sans même les cibler, ce qui évite complètement les misclics. Bon, un autre petit tips de fin, je vous conseille également d'afficher les points de vie des serviteurs, parce que désormais, avec la corruption, il y a les tentacules, et les tentacules, il faut à tout prix les tuer en priorité. Donc des fois, vous pouvez avoir des petits focus comme ça, qui sont plus faciles d'être faits si vous avez la barre de vie de la personne. Et ce sera tout pour cette première vidéo sur les basiques. Donc en gros, bien connaître ses cooldowns, pouvoir les traquer, pareil, connaître les classes en face et pouvoir les traquer facilement, donc je vous ai noté quelques add-ons dans les commentaires pour vous aider à faire ça. Également, bien utiliser les macros qui permettent de cibler automatiquement, qui vous évitent d'avoir à changer de cible, qui vous font gagner un temps de malade, et ça devrait déjà, vous devriez déjà avoir une expérience de jeu bien plus sympa. Surtout, faites bien gaffe au cooldown ennemi, n'hésitez pas à courir derrière les poteaux et à full temporiser pendant cette période-là. J'espère que ça vous a été utile, n'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo sympathique, la vidéo qu'elle était bien. Et on se retrouve très vite sur d'autres vidéos sur World of Warcraft.